Bonsoir à tous, une très belle journée aujourd'hui, du soleil et très peu de pluie. D'ailleurs, sur les dernières 24 heures, nous n'avons pas de cumul notable. Sur l'image satellite, on a un petit peu d'activité, une dépression bien au sud-est de Madagascar qui est en train de se former. Pour l'instant, elle est loin de nous, mais elle a tendance à se rapprocher. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, elle pourrait nous apporter des nuages et des précipitations orageuses. Mais dans l'immédiat, pour demain matin, on profitera d'une très belle matinée, ensoleillée et agréable. Beaucoup de soleil et très peu de nuages sur l'ensemble de l'île. Et dans l'après-midi, malheureusement, la tendance va s'inverser. Les nuages vont bourgeonner dans l'intérieur. On aura un ciel bien gris sur les hauteurs de l'est, les hauteurs de l'ouest et du sud-ouest. Sur ces zones, des averses vont se déclencher au cours de l'après-midi. Elles pourront être fortes par endroits, mais certaines zones vont rester épargnées par cette grisaille, comme dans les cirques, le volcan ou encore sur le littoral, où on pourra conserver de très belles éclaircies demain après-midi. Pour le vent, il est assez faible, excepté sur le port où les rafales pourront atteindre les 50 km/h demain. Et pour la mer, elle sera agitée au déferlement de houles croisées, une houle d'Alizé et une houle australe voisine d'1,50 m chacune. Côté température, elles sont plutôt douces, souvent supérieures au normal de saison, entre 10 et 18 degrés pour l'intérieur et jusqu'à 25 degrés pour les mini. Et pour les maxi, 19 degrés sont attendus au volcan, 24 dans les cirques et jusqu'à 30 degrés sur les régions côtières. Tout de suite, le journal de la rédaction présenté par Christelle Floricourt. Je vous donne rendez-vous juste après pour un bulletin plus complet.